Exemple 2 sur l'intersection. Intersection de façon algébrique par comparaison. Donc ici, j'ai deux relations, deux droites dans le plan cartésien, qui seraient des droites dans le plan cartésien duquel je cherche le point d'intersection. Donc, lorsque je fais ça par comparaison, je pose que, comme c'est un point d'intersection, mes deux droites vont être égales. La valeur de y de l'un va être égale à le y de l'autre. Ce qui veut dire ici que moins 2x plus 7, qui est la première équation, devra être égale à la deuxième, qui correspond à 4x moins 5. Ce que je veux faire ici, c'est isoler le x, c'est-à-dire envoyer tous les x à gauche. À gauche de l'équation, à gauche du signe égal. Donc, pour ce faire, je vais enlever le 4x qui est ici. Pour l'enlever, je vais dire moins 4x du côté droit de l'équation. Je ne peux pas faire quelque chose de côté de l'équation sans le faire de l'autre. Donc, je vais faire aussi moins 4x à gauche pour garder l'équilibre. Donc, ça va rester en équilibre, ça va rester égal. Donc, si je fais moins 2x à gauche, moins 4x, je vais obtenir moins 6x. Il me reste plus 7. Et du côté droit, 4x moins 4x enlève les x ou 0x. Il va me rester seulement moins 5. Prochaine étape, c'est d'enlever le 7 qui se trouve à droite, ici. Donc, pour ça, je vais faire moins 7. Moins 7 à gauche. Moins 7 à droite pour que ça reste en équilibre. Donc, en faisant moins 7 à gauche, le moins 7 disparaît. Mon moins 6x reste là. Et du côté droit, je vais obtenir moins 12. Maintenant, le 6x est multiplié par, c'est-à-dire le x est multiplié par moins 6. Je vais avoir seulement le x. Donc, ce que je fais, et je vais diviser par moins 6 le 6x, le moins 6x, ce qui va me laisser seulement x du côté gauche. Donc, je vais diviser aussi pour garder l'équilibre le 12 par la valeur moins 6. Moins 12 divisé par moins 6 me donne 2. Donc, 2 moins vont donner un plus. Je peux me vérifier, donc voir que en remplaçant le x ici par la valeur 2, moins 6 fois 2 va me donner moins 12. Donc, mon 2, c'est bien la valeur qui correspond à la solution de cette partie-là. Une fois qu'on a trouvé la valeur de x au point d'intersection, je suis intéressé à voir le y qui correspond à ça. Donc, je l'insère dans une des équations. Je vais prendre la première. Avec x égale à 2. Donc, y va être égal à moins 2x. Donc, moins 2 fois 2, plus 7. Donc, on fait le calcul. Moins 2 fois 2 fait moins 4. Et plus 7. Il va me rester y qui est égal à 3. Moins 4 plus 7 donne 3. Je peux me vérifier avec l'autre équation. Donc, notre autre équation qui est y égale à 4x plus moins 5. En remplaçant le x par 2, j'obtiens 4 fois 2 moins 5. Donc, y égale à 4 fois 2 qui me donne 8 moins 5. Ça me donne comme réponse 8 moins 5, 3. C'est bien ce que j'avais dans la première. Donc, on a trouvé la solution.
Donc, ici, on a x égale à 2 et y égale à 3, ou 2,3 est le point d'intersection.